Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce vendredi. Petit coup de balai au sein du gouvernement congolais. Le gouvernement Samalou Kondé D a été dévoilé hier soir. Si plusieurs ministres ont conservé leur fauteuil, certains poids lourds ont fait leur entrée, comme Jean-Pierre Bemba Gombo qui prend le fauteuil de la vice-primature de la Défense et Vital Kamere, la vice-primature en charge de l'économie, ainsi que Peter Kazadi à l'intérieur. Vous suivrez toutes ces nominations au début de ce journal. Également sommaire, des doublons et des mineurs enregistrés lors du processus d'identification d'enrôlement des électeurs radiés du fichier électoral. La CENI vient d'entamer le tap du toilettage pour avoir un fichier fiable. Le président de la centrale électorale était hier aux installations du Centre national de traitement pour superviser le travail. On en revient dans un instant. Voilà tout pour les sommaires. À toutes et à tous, bienvenue à ce journal. Petit coup de balai au sein du gouvernement congolais. Le gouvernement Samalou Kondé II a été dévoilé hier soir. Si plusieurs ministres ont conservé leur fauteuil, certains poids lourds ont fait leur entrée, comme Jean-Pierre Bemba Gombo qui prend le fauteuil de la vice-primature de la Défense, Vital Kamere à la vice-primature en charge de l'économie et Peter Kazadi, lui, occupe désormais la vice-primature en charge de l'intérieur. On écoute toutes ces nominations avec la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama. L'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 porte en nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres est modifiée et complétée de la manière suivante. Article 1er. Sont nommés vice-premiers ministres et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, messieurs Kazadi, Kankondé, Peter. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, messieurs Bemba, Gombo, Jean-Pierre. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Kamere, Lwakaningini Kingi, Vital. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, messieurs Lutundula, Apala, Penapala, Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, messieurs Liaou et Boua, Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État, ministres. L'intégralité de toutes ces nominations à suivre juste après ces journaux. Toutes les atrocités commises dans l'Est de la RDC seront documentées, publiées dans un rapport du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En mission de travail en RDC, une délégation de ce conseil l'a dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience, lui a accordé cette rencontre. Cette rencontre a également permis à cette délégation de recueillir les attentes du chef de l'État et de la population congolaise sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC. Guilain Kabalondi pour plus de précisions. Première main sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces 15 membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en mission de travail en RDC ont été reçus dans la soirée de ce mercredi 22 mars 2023 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des informations claires et précises sur les attentes de la population congolaise et de ses autorités ont été données à cette délégation par le chef de l'État. La rencontre avec son Excellence le président de la République de la RDC a été fructueuse parce que maintenant nous partons avec une connaissance parfaite des attentes de la population congolaise vis-à-vis du CPS. À l'étape de Goma, a fait remarquer le chef de cette délégation, les membres du Conseil de paix et de sécurité qui y avaient séjourné disent avoir été choqués par la situation humanitaire qualifiée de désastreuse. Nous avons été à Goma, où nous sommes allés constater de visu la situation humanitaire que je qualifie de désastreuse, inhumaine, qui est
en train de sévir dans cette partie d'Afrique. Et nous avons pu nous entretenir avec des victimes de cette barbarie humaine. Et nous partons convaincus de l'urgence de la résolution de cette crise. Après avoir suffisamment recueilli les informations, le Conseil de paix et de sécurité devra élaborer un rapport circonstancié. Les informations que nous avons recueillies sont publiques. Mais elles seront publiées dans un rapport que nous devons d'abord rédiger et transmettre à qui de droit. Et vous savez, tous les rapports du Conseil de paix et de sécurité sont aussi mis à la consommation publique. En attendant ce document, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA dit exprimer toute sa compassion à la République démocratique du Congo. Nicolas Sarkozy hume l'air congolais. L'ancien président français en séjour en RDC a été reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ancien locataire de l'Elysée de 2007 à 2012 a également partagé son expérience sur la gestion de la chose publique. Giscard Koussema pour le reportage. C'est un rendez-vous de longue date qui s'est concrétisé ce mercredi 22 mars à Kinshasa. À son arrivée au palais présidentiel du Mont Ngaliema, l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy a été chaleureusement accueilli par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil plein d'amabilité, les deux personnalités ont eu un échange autour d'un dîner d'amitié. Ce moment convivial a permis au chef de l'État et à son convive de partager l'expérience de la gestion de la Res Republica. L'ancien locataire de l'Elysée de 2007 à 2012 n'a pas fait de déclaration à l'issue de cette entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique. Chef de l'État d'un pays agressé, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reçoit fréquemment d'anciens dirigeants ou ceux en fonction qui lui apportent leur soutien moral, particulièrement ceux de l'Hexagone. Après la visite officielle d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin conduisait une mission de la Fondation des leaders sur la paix en République démocratique du Congo. En septembre de l'année dernière, l'ancien président de la République française François Hollande avait également effectué une visite privée en République démocratique du Congo qu'il avait conduite à Kinshasa et à Bukavu. Des gorilles et autres espèces du parc national de Virunga dans la tourmente. Ils sont menacés par la présence de la rébellion du M23. L'alerte lancée par l'administrateur de ces parcs au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une audience lui accordée. Il a également fait la situation sur le parc de la Garamba. Pierre Kibambe Somoué Issa pour plus de précisions. Quid de la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba? La question était examinée ce jeudi 23 mars au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François-Xavier Dedonea. Accompagné par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Joe Ndekeou, François-Xavier a exposé au chef de l'État la situation prévalente au parc de Virunga, encerclé par les éléments du groupe terroriste M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Tuélé. J'ai abordé essentiellement avec le président, tout d'abord en ce qui concerne la Garamba, un projet d'accord de coopération entre la RDC et le Sud-Soudan, dont je suis porteur, et qui a pour but d'améliorer et de rendre de plus en plus efficace la collaboration entre le parc de la Garamba, qui est dans le Haut-Ouélé, et le parc de l'Antoto, qui est au Sud-Soudan, mais qui colle au parc de la Garamba. Il y a la frontière qui passe entre les deux. Et donc, pour pouvoir rendre plus efficace la gestion des deux parcs, il faut une coopération transfrontalière. Le deuxième sujet que j'ai abordé, c'est la question de l'orpaillage. Nous souffrons énormément au sud du parc de la Garamba d'orpaillages illégaux. Donc ce ne sont plus des petits orpaillages artisanaux, c'est de l'orpaillage avec des machines fait par des étrangers sous le couvert d'organisations congolaises, mais qui ne sont qu'un paravent. Donc j'ai alerté le président là-dessus. Nous subissons actuellement sur la rivière Kibali d'importantes dégradations de l'environnement. C'est juste en dehors du parc, mais cela pollue la rivière qui est la limite du parc. Et troisièmement, j'ai fait un tour d'horizon avec le président du parc de Virunga. Donc
je lui ai expliqué où en était le parc des Virunga actuellement, qui est encerclé par le M23, mais où la fondation dont je fais partie, la fondation Virunga, a maintenu une présence avec le directeur du parc, M. Emmanuel de Mérode, et grâce à ça, on a empêché le M23 d'occuper des installations stratégiques du parc, telles que la centrale électrique de Matébé, qui alimente Goma en électricité. Le chef de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur du parc de Virunga, où les cadres et les gardes de l'ICCN maintiennent leur présence, et promis d'appuyer les projets d'accord de coopération entre la RDC et les Soudans du Sud au sujet du parc de la Garamba et du parc national sud-soudanais de l'Antoto, a renchéri François-Xavier Dedonéa. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Madame Lucie Tamlin n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. Un jeudi surchargé pour le président de la République, juste après Félix-Antoine Tshisekedi a discuté avec le directeur général de la Caisse nationale de la péréquation, Coco Jacques Moulongo, dit attendre toujours le 10% de recettes du trésor public pour financer les provinces les moins nanties afin d'amener l'équilibre entre les provinces. Encore une fois de plus, Pierre Kibambe Soumois. La gestion de la Caisse nationale de péréquation était ce jeudi 23 mars au menu de l'entretien du président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Coco Jacques Moulongo Nzemba. La Caisse nationale de péréquation est dotée de 10% constitutionnel des recettes du trésor public qui devraient lui permettre d'aider les provinces les moins nanties en soutenant leur programme de développement afin de créer l'équilibre. Cette caisse a besoin de ce 10% constitutionnel sur la recette totale, les recettes totales de l'État pour permettre à ce que nous puissions financer les projets et les programmes de développement public afin d'amener cet équilibre entre les provinces qui sont défavorisées et négligées, abandonnées à elles-mêmes. Voilà. Et c'est un peu ça que je suis venu discuter avec le chef de l'État afin que cette constitution soit respectée. Et il a promis que la constitution sera respectée, comme il avait fait le jour où il nous a nommés. Et il est très content de ce qui se passe en ce moment sur la Caisse nationale de péréquation, à part quelques petits problèmes qui ne manquent pas dans nos entreprises, qu'il a dit qu'il allait couvrir le trou qui soit en train d'être creusé par ceux qui ne veulent pas respecter la loi. Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, nous avions été invités par le Parlement à Béatrice afin de trouver une solution sur nos prévisions budgétaires. Le président de la République a promulgué la loi des finances, et ce qui fait que nous connaissons au moins notre fonds de péréquation, donc ça signifie le 10%. Et bien, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre des gouverneurs qui sont les gestionnaires des provinces, ainsi que les entreprises publiques, les DG des entreprises publiques, et même évidemment les privés, qui peuvent amener des projets de leur province, afin que nous puissions travailler dessus et voir si nous pouvons les rendre bancables ou les améliorer, ou encore les rejeter si elles ne sont pas bancables. Et ben voilà, et en ce moment-là, une fois que l'ordre de paiement permanent qui doit être signé par le ministre en charge des Finances est signé, directement, je crois que la Caisse nationale de péréquation pourra avoir son financement trimestriel pour permettre de financer ses projets et les programmes publics d'investissement. C'est au mois d'août 2022 que le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Coco Jacques Moulongo, a été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC est désastreuse. Il faut une urgence. C'est en ces termes que se sont exprimés le membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine juste après leurs échanges avec le déplacé de guerre dans le camp de Kanyaruchinga, au Nord Kivu. Regardez.
travail élargi à la MONUSCO, à la force régionale, au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile a connu la participation de Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, solidarité et action humanitaire. Le gouverneur du Nord Kivu a fait l'état des lieux de cette situation critique. La mission a effectué une visite au camp de déplacés de Kanyaruchinya pour palper du doigt les réalités de la souffrance qu'endure la population contrainte à l'errance. Le représentant de déplacés a fait un plaidoyer auprès de cette mission pour la restauration de la paix. C'est une situation insupportable de sorte que nous vous sollicitons vraiment de faire tous les moyens possibles pour s'étourdir. Le chef de la délégation, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, Willy Nyamitwe, a exprimé la solidarité de l'Union africaine à la population de l'est de la RDC. Chaque fois que un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence, quoi que de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent, urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Nous allons travailler sur ça. Comptez sur nous. Des commissions, des débats parlementaires, des interpellations de membres du gouvernement et des questions orales avec débat sont prévues au cours de cette session parlementaire de mars au Sénat. La conférence de présidents a adopté hier à l'unanimité l'avant-projet du calendrier de cette session. La proposition des lois relatives à la protection des défenseurs des droits de l'homme sera également parmi les matières à examiner, comme nous disent Sandra Nyangi Tabou, Gelor Kimpianga et Denis Kungi dans ces reportages. L'unanimité, le projet du calendrier.